Les autorités polonaises enquêtent sur une fuite de pétrole dans un pipeline entre la Russie et l'Europe occidentale. Une fuite qui a de quoi inquiéter quelques jours seulement après le sabotage présumé des gazoducs Nord Stream 1 et 2. L'entreprise opératrice Pern a déclaré qu'ils avaient détecté la fuite dans l'oléoduc Drujba mardi soir, à 70 km de la ville de Płock en Pologne, et que sa cause était encore inconnue. L'oléoduc Drujba est la route principale de livraison de pétrole russe vers l'Allemagne. Le ministre de l'économie allemand a cependant confirmé ce mercredi que les livraisons de pétrole n'avaient pas été coupées. Nous sommes actuellement en train d'analyser la situation. Je peux confirmer que la fuite se situe à quelques dizaines de kilomètres de Płock. Tout le monde est sur le pont, dont les pompiers et les services de sécurité. Et nous sommes en train de déterminer les causes de la fuite. L'année dernière, la Russie représentait environ 35% de l'approvisionnement en pétrole brut de l'Allemagne. Mais depuis, le pays ainsi que d'autres de l'Union européenne ont dû largement réduire leurs importations, conformément aux sanctions imposées à Moscou depuis l'invasion de l'Ukraine.